Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, on se retrouve pour la continuité de la bataille du renversement. D'ailleurs ils ont vu quand même très très large hein, côté des pions. Ouais, je suis à 615, on aurait de quoi largement tout acheter, évidemment. Alors en plus de ça, donc les récompenses du dernier jour d'ailleurs, c'est le dernier jour. On est parti pour le niveau vide 1. Alors, n'oubliez pas de regarder ici, de bien cliquer pour savoir qui a le moins de PV, les effets, etc. Que ce soit vraiment intéressant pour vous essayer de gagner en fait dès le premier coup. Alors la baleine comme d'habitude. Alors là, à mon avis, ça va pas trop passer. Parce que la ligne en bas à gauche, ça c'est ouais, c'était pas terrible. Ok. On va quand même tenter, hein, mais là, je sais pas, je le sens pas. Alors, la baleine, vous voyez, je la mets au milieu. Pour éviter qu'elle prenne trop de dégâts, en fait. Allez, il nous reste 19 secondes. Est-ce qu'on va l'avoir ou pas? Je ne pense pas. Non. Donc, c'est pas la bonne stratégie. On va recommencer. On va se focus sur celui du haut. Ok, donc on a commencé par celui du haut et ensuite on a renchaîné un tout petit peu plus sur celui du milieu. Vous avez vu, on a rajouté un tout petit peu plus de monde. On a fait plus 70-30 sur ce qui s'est passé. Alors. Voilà. J'ai vérifié, j'ai attendu en fait que le haut soit littéralement mort. Ok, donc n'oubliez pas, on commence par le haut, on fait 70-30 entre milieu et haut, et on est pas mal pour ce niveau. Alors, hop, on récolte les récompenses. Ensuite, 19 000 longs, 10, ok. Vitesse d'attaque, 3 par contre, ok. On va essayer encore une fois par le haut en 70-30. Voilà, et la baleine. La baleine, j'arrive vraiment pas à la garder en vie en fait, hein. C'est ça le problème. Alors là, à mon avis, on va être très chaud par rapport au PV qui peut rester sur les deux. Alors, on va mettre notre tapis en bas. Et la baleine, en fait la baleine c'est pas très grave si je l'avais exprès de la mettre au milieu, c'est du coup ça permet qu'elle prenne normalement moins de dégâts. Ok, donc le dragon il fait le taf, voilà on est bon, il nous reste 12 secondes, on peut renchaîner les derniers trucs pour être sûr à 100%. Donc costaud hein, le dernier, hein, vraiment. Ok, le niveau 3 achevé, on récupère tout ça. Vraiment, les accélérateurs, là, ça fait plaisir. Alors, 19 000. Ok, c'est la même configuration. Sauf que cette fois-ci, on aura la petite couronne en flamme. Alors, c'est parti. Ben, j'ai failli lancer dès le début. Hop. Donc là, on fait littéralement 50-50. J'ai tenté 50-50. Et on peut voir que niveau du bas... Bon, c'est mitigé. Après, ça a fait 50-50 sur les deux qui restent côté PV. Donc, bon. Allez, on attend que ça se recharge. On va être bon. Allez, zoup, c'est parti. Ok, en bas. En bas, vous avez vu, j'ai balancé un truc de plus. Parce que il y avait un petit retard de PV. Mais on est bon. Alors... Pour être sûr, ok, il va pas y avoir besoin. Vous voyez le temps qu'il lui reste quand même pas mal de PV. Hein. On peut rajouter, hein. Il reste 6 secondes. Vous allez pas me dire qu'il va résister exprès au PV. Non, les 1 seconde qu'il manquait. Bon, on va alors commencer en speed. Allez, on est parti.
Ok, donc là, j'ai séparé un tout petit peu moins. J'en ai mis un peu plus en bas. Mais celui du bas est vraiment costaud. Donc il n'est pas d'accord pour mourir. Sauf que moi, ça ne m'arrange pas. Ok, il a récupéré des PV. Et là, on devrait être bon quand même. Voilà. Donc c'est celui du bas, voilà, j'aurais dû focus dès le début un tout petit peu plus. Alors on va récupérer la récompense. Donc c'est fini pour ce bel événement. Alors qu'est-ce qu'il nous offre le dernier jour? Ok, des graines, etc. Et ça peut aller assez loin. Alors allons voir la petite récompense. Donc changer d'apparence. On doit l'avoir, voilà, ici. Elle est stylée en vrai. Elle est plutôt stylée, voilà. On va la porter. C'est vrai que c'est assez sympathique. Donc voilà pour ce petit event, on verra ce qu'ils vont nous sortir d'autres, mais je l'ai trouvé fort sympathique. Donc on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo.